Mbote Manamboka. Oui, la Mouka est allée à Malamou. La Mouka se porte très bien. Oui, Malamou, que le Banda, le président légitimement, il lit à Zongi le 22 août. Et Bana au Congo, qui s'est encore boulingo, na bango ebele. Et pas inaye. Et Banda a talisi Bana au Congo que flamme. Ils allaient allumer parce que Omoni Liboso a senga to senga ki bango to kine élection anticipée baboui to sengi bango to présenter bango plein sorti à crise baboui to ibisi bango to proposer bango réforme baboui cette fois-ci comme bango balingi na bango te le président a dit il faut se couper et plein abus, soit se prendre en charge. Ri maintenant, c'est qui est là-bas. C'est pourquoi tu es là-bas qui que tu es là-bas dans le Parlement. Bon, vous avez un Parlement, vous avez appris la sortie à crise, vous avez une réforme, car c'est une crise profonde. On peut dire un boka pour la violation à l'hiver. Non, non, c'est une profondité. Les aliments en boka congolais, Théodore Ngoï, le cola congolais nous a coupé au couteau. Nous avons convoqué le président Eli Martin Fayulu. Il est payé à Kenya qui consolera. Nous avons convoqué au Tali Saïli Kanisi. Dans les constitutions, ils ont à la violer. Du fait que le président Eli a zali mutuba principe, a zali mutu oyo, a zako préserver intérêt en boka, a lingi dignité en boka, un état de droit, ils ont vraiment instauré na kati en boka na biso. Nde alubaki, li kanisi wana nde lulenge zali pona intérêt en boka. Et moi, je vous soutiens par rapport à ça. Il y a des gens qui ont fondé, mais il y a soutenir moi dans Mboka ou il y a des gens qui ont fait un peu de mal à la carte de Mboka. Tu as dit que Ngambo Nyoso, ou Batu Dongolo Miso, ba komi koloba parce que le président légitimement est lié à l'lobby. Que M. Félix Tshisekedi court le risque de la haute trahison. Pour le bas, que M. Tshisekedi court le risque de la haute trahison, si Banamboka, pas Banamboka, et si Taliban, et si IDPS, Kanda va commis agité. Ce qui n'est que Félix Tshisekedi à commettre une infraction en attaque à haute trahison. Bagobanga pour Nanin. Et là, on est Tinda Bango. Ba banga yango monike bandeko wana ba sombi moko na biso pona raison ba yeba ko kitisa aura oyo le président Martin Fayulu a komi nango liboso ya peuple ba discréditer imaginaire parce que kubosa na te que président légitimement Eli Martin Fayulu a lingani mingi pa ba congolais alors ba calcul politique. Et commis, mais qu'est-ce que nous devons faire pour que tout ternir l'image de Martin Fayulu, tout quitte sa boulingo de Martin Fayulu et pas de Congolais. Il y a une moni ba agitation wana nyoso. Confrère Nabino, Mike Mukebay, confrère Nabino, oui, qui a confrère Nabino, non? Azali confrère Nabino. Au moni que Motomoka ait bi politique, il ait bi makamba ko sa na politique. Ite. A kende boy mutunyo sa sala ranaye aswa na ranaye aota ko sona na Vital Kamerhe aswa ni na Adolphe Mozito aswa ni na bato presque nyonso na politiki lelo palingi ko soni sa le président légitimement Eli oyo azali même pas na niveau na ye alingi se faire égal et pas na ye donc to yebi que du fait que Bako luka ba kitisa ba ternir l'image ya présent Eli na miso ya bato nde ba yeko somba moko na biso Mike Mukebay ba pesi e kanyaka pour que abanda ko luba o nyo sa ko luba na na etandoike biso toza na temps ya ko répondre yete peuple wana yi moko atala comportement na ye c'est de l'ingratitude oyo ye azali ko sala Azali d'accord, une démarche à président de Martin Fayulu qui est profond dans le Kondiambo, car ce qui pensa était à fond au Kondiambo, était un dépôt de mandat commun, notamment chez Eko.
Ndeko, yali boso tokoloba ke mwana mboka Martin Fayulu afundi afundi ndeko Tshilombo te. Tokoloba yango awa, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, pona nini motolokola ye Mike Mukebayi ayebi malamu ke faden wana ba bureau ya ya le président Eli Martin Fayulu bakangela yangote tango zaki na question mwa moko za kutungisa ye pona nini nakenda ko mona président Eli te asololi nae me mbala moko alekina etandoyike banda koloba onyoso ya koloba wana iza raison nini omoni angote iza raison ya ko nuire muna moto. Mais tu as dit que 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 tu as dit contre le contre président Martin Fayulu. Tu as dit que 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 tu que as dit que tu as dit que Tala makambuya kolobaka na lingi ko reprendre ango tala est-ce que mutoko la président Martin Fayulu akoko kita bati na ba niveau wana do amoni que Martin Fayulu azana niveau na ye Martin Fayulu n'est pas à son niveau quand même il faut beaucoup de respect c'est du montage tout ça liboso alobini ni keno o Théodore Ngoyi azali mutu akabila le temps va démontrer Théodore Ngoyi ba moni to sali erreur to bosani to sala nini aye ko ba keno bazali na conversation o ya solo la kina nemi a solo la kina remoti banda yango biso to ko yibisa bango bazwa ba conversation wana ba changu na place publique toyoka ça n'existe pas tout ça c'est pourquoi c'est pour ternir l'image ya Martin Fayulu na ko yibisa yo ndeko na ngai awa to yibi makambo ko sali malelo. Du fait que bah, moi, que Martin Fayulu, peuple congolais, bah, lingie mingi. Maintenant, bah, calcul politique. Et comme tout ça, la n'engue nini, pour que tout bon ma image naie. Parce que y a risque que leadership na bango et mon en sous-souté. C'est pourquoi vous êtes en train de voir tout ça. Martin Fayulu, c'est un homme digne. C'est un homme de principe. C'est un homme qui aime son pays. C'est un homme qui donne sa vie pour ce pays. Martin Fayulu, c'est un homme honorable. Ce n'est pas n'importe quel homme. Ce qui Martin Fayulu, c'est qu'il n'a pas ça à pouvoir. Mais tant que Kabila a sollicité, il a pouvoir, Kabila a manipulé, mais il a le pouvoir. Mais pour nani n'y a boi. Pardon, vous allez rattraper agité. Vous allez rattraper agité. Le bali sous tout le monde sous tout le monde sous soir de Kamboya, ce qui balongo lié et tambour moi ma cause pouvoir. On est à l'okuta, c'est la et allez distraction mon aîné. Ndeko, te prenons les cas. Je pense bandeko ba Hollanda bazar kuyo kabisu ba Hollanda biso. Les lots oyo sont aussi constitution. Ndenga otu kolobo nana zana simaya ya ndeko Tshilombo. Les alliés, tambour m'embatté. Prenons le cas aujourd'hui, Ndeko Tshilombo n'est plus. Nana go remplacer. Tango bango bakenaki ko signer deal. Est-ce que ba mona ki Martin Fayulu? Donc biso to koki ko sauver le sous mboka te, to koki ko vendre le sous na principe te pour na ba imer ya bato. Ce qui ba ningaki ba table pour na ba imer. Mais balinga qui va tenir compte il y a élément en attendant bazo qui ne signer deal. Il fallait ba tabler sur yango que les autres ceux qui azalité muta ko remplacer exactement. Est-ce que pour que Kabila a kota na ba fin naye. Azaka na posa que Martin Fayulu a accompagné ou bien nani comment Théodore Ngoyi a accompagné. Mais si Kabila cherche à revenir aujourd'hui au pouvoir, il a tous les moyens avec lui pour revenir au pouvoir. Qui a nani ango azo diriger gouvernement? C'est Ali Kabila à travers nani, à travers Ilungu Kamba. Nani azana azali kuna na parlement. Mais Ali Kabila à travers Tambwe Mama et qui Janine Mabunda.
Alors pourquoi balingi ko distraire batou? Pourquoi il cherche à distraire les gens? Non, qu'on ne distraire pas les gens. Bisotu ko bimana ba principauté. Nous sommes là pour défendre l'intérêt de notre pays et on va défendre l'intérêt de notre pays jusqu'au bout sans ba imer ya batou. Toza wana pona ba imer te. Soki ndeko ti lombalingi ko sa malamu. Mais ah, tambo na kati ya constitution. Mais ce kaza ko bimali banda ya constitution. Mobeko wana nde sengela ndelaye ezali Martin Fayulu Luther. Et d'ailleurs, na démarche à Théodore Ngoï, Fayulu azali na kati kuna te. Théodore Ngoï ko mona Fayulu luko la congolais. Pourquoi est Théodore Ngoï ko mona le président Martin Fayulu? Parce que tant que président Eli Ayaki na message na ye na Sainte-Thérèse le 22 août à celui-là qui n'a pas imboka a condamné qui ba nomination au ba kenaki ko nommé ba juge wana ba ordonnance wana parce que et marché contre ba loi ya mboka. Il a condamné ça et tant que Théodore Ngoï yoki makambo wana nde aye ko yibisa mokonzi ya mboka que non, voilà, effectivement, ils ont des démarches au but toujours menées dans ce sens-là pour que tout le monde qui est loi Yamboka, ils allaient piétiner. Ndeko Chilombo a marché contre la loi Yamboka. Nde Koyoka Oyo, Théodore Ngoï a expliqué qui le président Eli. Nde le président Eli a ekolubaki ndengenga na yoki, monsieur Tshisekedi, monsieur Félix Tshisekedi, court les risques de la haute trahison. Mais ce n'est pas Fayulu qui n'est pas comme ma Azako Funda plutôt Ndeko Tshisekedi. Ce n'est pas Fayulu. Démarche Zalia Théodore Ngoï qui est un avocat qui fait Azo Sala Moussala Naye Ndengeye Amesana Kosala. Ce n'est pas à Fayulu qui va ramener Ango. Na Fayulu nde omoni badongo le miso nde omoni ba traître okoyoka mais bazali ebele ba traître ba lit mususi yo tu se manifester bon moni était assez manifester c'est un traître un homme conflictuel qui a des conflits avec tout le monde ata lelo bato yo ba ko soutenir rien ba ko soutenir lelo ako balukule bato wana lobby ezali vinaye. Alors, Moutou Abongo, beaucoup peut s'y confiance. Moutou Abongo, beaucoup peut s'y confiance, vraiment. Donc, c'est un traître. C'est un traître qui peut trahir tout le monde à tout moment. Le Rona Bato va pécer Misolo. Kaka yé, Oana Lobby, à Gobaluka, au Fing à Batouana. Kaka Bato, le Lobby, à quoi accompagner, bah, journaliste, Baza Pembe Ninae. Lobby, Kaka Gobaluka, là, journaliste, Oana. Ce n'est pas quelqu'un à faire confiance. Ce n'est pas quelqu'un à faire confiance. Ako benga batu, biso batu oyu, to sungi ye, tango azaki na boloko na pasi. Abimina na boloko, même pas ko remercie biso oyu. Biso. Alela ki awa, baninga na ye oa benga ma pasa na ye, ata mokolomo te ba yako tale na boloko. Alela ki awa, ke batu akatumbi ata mokolomo te ba yako tale na boloko. Kaka président Martin Fayulu wana mutabanda ko tindi la ye misolo na pasi na boloko. Kuna bisika ya zalaki. Kaka président Martin Fayulu mutabanda ko tindi la ye biloko. Kuna na boloko. Lelo abimi na boloko. Alingi ko finga Martin Fayulu. Ah le monde en travers. Pe ako benga biso ke biso permanga lobi tozali bandakala. Oh, mais ndakala elengite. Biso baluba to le landakala na matamba. Biso baluba to le landakala na matamba fort. Yango omoni ke tozana biso majoritaire. Babalen moye ba kota na bango na kati e balena biso wa ezate yango omoni peuple na biso balinga na bango Martin Fayulu. Ndakala wana elengi. Ndakala biso baluba to liaka ndakala terrible na matamba. To lele na biso ango fort. Nous, Pinzala, nous décochons Pierre Bimba, nous, Moïse Katoumbi,
bali d'accord dans makambo que na pesa et lui martin fait l'ordre ça makambo nini ya sali ndeko nangi oyeba makambo nini ya sali la démarche na yebo que comme on a pas de bof c'est ça un peu ça que bon ba yeba que yamba ba de côté alors que va souffrir moto mokote mokorzi Martin Fayolo Mokolo Mokote atikali koyambama to ayambi bato ya FCC Mokolo Mokote lelo bo mona bal comment qu'est-ce qu'on dit ndenge ba balai diplomatique je voulais dire balai diplomatique aux salle mena faden quoi qu'on coûte un président Eli va continuer sur Mboka ambassadeur il y a Mboka papaya va se coûte un aïe le président Eli abengami président Eli akoyamba moto nyonso congolais pe congolaise nyonso o azo yana makanisi po ke toto ngamboka azali les bienvenus mais ce qui bandeko ya FCC baye po ke bakuta nae akoyamba bango il y aura aucun problème parce que bali ba congolais mais kino na ngonga oyo le président Eli atikali koyamba ata moto mokote ya FCC ke aya kutala ye po ke ba solola ce sont des montages ce sont des montages oyo ba traître bazali ko monter po ba discréditer Fayolo parce que montage ali bosso oya Théodongoi ko bimisa Théodongoi kabiliste ba échoué parce que ba yeba ki Théodongoi te Théodore Ngoïza Moutou a porté qui Jean-Pierre Bemba. Na 2006, na élection en 2006. Théodore Ngoïza Moutou Kabila Linga qui a Bouma. Ba panza même église na ye. Moi si même ya collaborateur na ye a Koufa. Théodore Ngoïza Moutou a porté qui Papa Etienne Tshisekedi na 2011. Théodore Ngoïza Moutou a posé qui candidature na ye. Pe a kena ki ko malmené nanga. Na ndenge abanda ki ko. Kamba Mapounami, il y a 2018. Tedongo Yewana Azala qui avocat, il y a président élu, na cour constitutionnelle. Ah, bon, Tedongo Yewana comme kabiliste moukoloni. Donc, bah, mekina et lokoana, bah, échoué, bah, se rendre compte que tout ça l'erreur. Maintenant, bah, kéina, bah, audio. Oh, le président élu, à celui-là qui na Remo Tshibanda, oh, à celui-là qui na Nemi. Mais, bah, tchata, bah, audio, on kana malo bagabo. Merci. Ya mawamingi pe pasi. Merci. Merci Ndeko.